Bon, je vous invite à voyager et à aller au bassin d'Arcachon. Alors, entre mer et forêt, conserver le trésor d'être si bien camouflé. À l'âge où nous vivions, frères et sœurs et amis, dans cette splendide région, loin de toutes ces conneries, les parfums de mon enfance, ce qu'on aime toute sa vie, délivrer l'espérance de n'être jamais conquis. Le bassin d'Arcachon, beau sous chaque saison, n'était pas obligé d'être squatté tout l'été. L'engouement pour ce site rebutait le touriste, laissant place aux varechs, les plages étaient impeccables. Sur notre peau, l'eau salée, souillée de vases d'agonier, vêtis nos corps d'enfants en séchant sous le vent, leur poitrine déchargée. Les filles se faisaient pas draguer, je crois même qu'elles s'en foutaient de n'être pas courtisées. Dans les flaques sous nos pieds, les crevettes chatouillaient, quand on les attrapait, c'était pour les relâcher. À la pêche, au bigorneau, parfois pour statiner, on foutait dans le maillot les crabes qui nous pinçaient. Sur les bosses des sentiers, on faisait pour accéder à nos arbres secrets, d'une crosse en vie. On grimpait dans ces arbres tamaris centenaires qui procurèrent tant d'ombre à tant d'âges salutaires. On entend de nos jours qu'il est domestiqué par tous ces plaisanciers qui viennent juste faire un tour. Parce que c'est en vogue d'être bronzé du cul, ils enlevèrent les algues, nos arbres furent abattus. Ils partent du Pilat, branlent au Cap Ferré, pour se sentir friqués, ils pillèrent cet endroit. Je n'en veux pas autant, cela serait perdre mon temps. Si le touriste m'entend, qu'il m'écoute à présent. Je n'ai rien contre le fait qu'on vienne me visiter, mais il faut respecter, mais il faut respecter l'avenir de...